Hey, bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grande journée hein, pour les cinéphiles, les amateurs de Disney, puisque la plateforme Disney Plus vient juste d'arriver aujourd'hui. On est le 12 novembre 2019. J'ai installé l'application et je voulais juste faire le tour un peu, là, voir qu'est-ce qu'on y retrouve et vous montrer en même temps les différentes séries et films qu'on peut y voir. Donc, on démarre immédiatement en ouvrant l'application. Voilà. Donc, on va attendre que ça l'ouvre. Voilà, Disney Plus. Donc, immédiatement, voici la plateforme. Donc, bien intéressant. Déjà, on voit des gros titres en haut comme Avengers, High School Musical, le film en prise de vue réelle, La Belle et le Clochard. Les Simpsons, oui, j'ai pris le temps, j'ai vérifié un petit peu avant. Les 30 saisons des Simpsons sont disponibles. Et j'ai vérifié, la piste sonore française, québécoise est incluse. J'ai regardé quelques épisodes et ils étaient bien là. On a, oui, Avatar, Sous les feux de la rampe, je ne connais pas pour l'instant. Captain Marvel, Le monde selon Jeff Goldblum, Dumbo. Et bien sûr, hein, Star Wars The Mandalorian. Donc, le premier épisode est déjà disponible. Si on clique dessus, on peut voir que on a juste le premier épisode. Il va en avoir un à chaque semaine qui va être disponible. Donc, on a déjà différentes catégories, soit les titres de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic également qui sont disponibles. Exemple, si on clique sur Disney. Ben, on va voir les différents titres du studio Grandes Oreilles. Donc, on a quand même beaucoup de classiques, hein? Les grands classiques de Disney semblent, je peux pas dire qu'ils sont tous là, mais on a quand même beaucoup Flubber. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. En français, le titre, si je me souviens bien, c'était Plaximol. Donc, un film de 1997 avec Robin Williams. Donc, je ne sais pas par exemple où est-ce qu'on voit l'information. Peut-être avec le plus ici, si on clique sur le petit plus. Non, ça, je pensais que c'était peut-être ça. Détail peut-être. Oui, on a l'information. Est-ce que ça mentionne les pistes sonores? Je ne le sais pas. Extra. On n'a pas, non, on n'a pas le titre, les pistes sonores disponibles. On voit que c'est 5.1. Mais je ne vois pas plus que ça. Donc, Dingo et Max, aussi Chéri. J'ai gonflé le bébé. Inspecteur Gadget. Donc, des classiques que j'ai vus quand j'étais plus jeune. La bande à Dingo. Beaucoup d'animations. Les amateurs d'animation aussi vont être ravis, hein. Donc, Aladdin, le Roi Lion, la petite sirène, la Belle et la Bête, le Livre de la Jungle. On en passe, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de classiques. Donc, je ne ferai pas le tour de tous les films d'animation, hein. Sinon, avec tous les titres qu'on a sur la plateforme, ça risque d'être long. On a aussi un nouveau film de Noël. Voilà ici, un nouveau film avec... Mon Dieu, j'ai oublié le détail, j'ai oublié son nom. C'est, attendez. Anna Kendrick, voilà. Donc, je l'avais sur le bout de la langue. Donc, un nouveau film de Noël disponible en exclusivité sur la plateforme. Comme je l'ai dit aussi, La Belle et le Clochard. Une autre exclusivité. Voilà. Des classiques, hein, les différents films de prise de vue réelle des dernières années, là. On a ça, Maléfique, Cendrillon, Pirates des Caraïbes, Peter et Elliot le Dragon, Les Muppets. Mary Poppins. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Donc, ici, on a les exclusivités juste en haut. Comme on a High School Musical, la série. Sous les feux de la rampe. Ça, je ne connais pas. OK. OK, ça doit être pour des spectacles musicaux à Broadway. OK, parfait.
pour les amateurs. Aussi ceux qui aiment l'univers des parcs Disney, hein. Il était une fois les Imagineers, donc ceux qui conçoivent justement les différentes attractions, les différents événements qu'on retrouve au parc Walt Disney. Ben, il y a une série documentaire qui leur est dédié. Donc, si vous voulez voir les coulisses de des différentes attractions, de découvrir un peu ces personnages, ces personnes-là. Donc, une série documentaire intéressante. On va retourner. Ça, c'était Disney. Au niveau Pixar, est-ce que tous les titres sont là? On a quand même beaucoup, hein? Voilà. Histoire de jouets. Les Incroyables, là-haut, Wall-E, Rebelle. Donc, Mille et une pattes. On dirait que ça, c'est le titre français de France. C'est pas le titre québécois. Mais est-ce qu'il y a un doublage français québécois? Ça, je peux pas le dire pour l'instant. J'ose pas démarrer les vidéos pour cette présentation-là. Hein, une question de droit, je veux pas nuire aux droits de Disney à ce niveau-là. On a aussi d'autres exclusivités, genre Fourchette qui a une série de courts dessins animés sur, il se pose plein de questions, comme justement ici, c'est quoi l'argent? Et toujours sur un ton humoristique. On a plusieurs également courts-métrages. Ici de Disney, des nouveaux courts-métrages, pas Disney, de Pixar, pardon, des nouveaux qui sont justement disponibles ici. Les fameux classiques de Disney. On a aussi les moyens métrages avec Toy Story qu'on peut retrouver. Il y en a aussi plusieurs avec l'univers des bagnoles. Il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est des héros improbables. Donc, oui, c'est ça. Un mélange de courts-métrages qu'on a ici pour en plus des longs-métrages classiques. Marvel, est-ce qu'on retrouve l'ensemble des films? Il me semble que j'avais entendu dire qu'il en manquait, qu'ils n'étaient pas tous là, qu'ils devraient être disponibles prochainement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas les 23. Long métrage, mais il y en a quand même plusieurs d'excellents hein, là-dedans. Donc, sûrement dans les prochains mois, on devrait en avoir de nouveau. Différentes séries également. Même des dessins animés dans l'univers de Marvel. Donc, on continue, ouais. Beaucoup Spider-Man, hein? Il a l'air d'être à l'honneur ici, on peut le voir au milieu de l'écran. Il y a beaucoup de séries qui le met en vedette. Donc, les amateurs de classiques, hein, de séries d'animation, vous allez être servis. Parfait. Donc, Star Wars, qu'est-ce qu'on y retrouve? Évidemment, les longs métrages, hein, sont tous là. On a évidemment les séries Mandalorian qui commencent, la série Clone Wars qu'on retrouve également. Donc ici c'est la première saison. Est-ce qu'on retrouve les autres saisons? Je suppose. Ignorer. Non, on ne le fera pas immédiatement. Ah, c'est ici, saison. On retrouve toutes les saisons disponible. Je sais qu'il y en a une nouvelle qui s'en vient de Star Wars, de Star Wars Clone Wars. Donc, si on veut faire du rattrapage, c'est le temps. Star Wars Rebelle, excellente série que je vous recommande. Très, très, très bon. Star Wars Résistance qui vient de commencer. Ça fait pas très longtemps. Là, il y a juste ça. La première saison est disponible. Je sais qu'il y en a une deuxième. Je ne suis pas certain si c'est déjà en cours de diffusion. Donc, les amateurs de Star Wars, vous allez être servis. Donc, plusieurs séries, à part les longs métrages, qui sont disponibles.
Et si vous êtes impossible à National Géographique. Ah bon, voilà. Sa première journée, des fois, il peut avoir quelques petits bémols au niveau de l'application, hein. Il y a beaucoup d'achalandage. Donc, ça peut arriver. Donc, ici, pour les amateurs de documentaires de National Geographic, vous avez de quoi être servi. C'est une section que je connais un petit peu moins au niveau des documentaires. Donc, je ne vais pas nécessairement m'attarder trop longtemps sur cette section-là. Ensuite, au niveau des. Ça, on a fait. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, ça, on avait fait le tour. Donc, oui, ça aussi, on avait parlé des longs métrages d'animés, les classiques de Disney. D'autres séries télé comme même Lizzie McGuire. Voilà, Hannah Montana également. Donc, tous les films en lien avec. Films et séries, bien sûr, en lien avec la chaîne Disney. On peut les retrouver ici. Voilà. Est-ce qu'on retrouve également des. On a vu tantôt Avatar, mais est-ce qu'il y a d'autres titres en lien avec la Fox? Ah, Roger Rabbit, un classique. J'adore ce long métrage. Très, très bon. Donc, oui, c'est ça. Ici, on a Avatar, mais est-ce qu'on voit d'autres titres autres de l'univers de Fox? À date, j'ai pas vu grand-chose. Peut-être que ça va venir dans les semaines à venir. Rock'n'Run. Ah, oui, on le voit ici. Ah, ok. Ah, Rock'n'Run, je crois que c'est à Disney. Voilà. Voilà. Donc, on a beaucoup, beaucoup de quoi se mettre. Je m'en ai dit sous la dent, mais plutôt nous en mettre plein les yeux. On a beaucoup, beaucoup de séries. Beaucoup de longs métrages. Et c'est rien qu'un début, hein. On commence. C'est la première journée. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc, bien content, bien heureux. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé à voir un peu la plateforme de Disney+, à quoi ça ressemble. Et dites-moi justement dans les commentaires, hein, est-ce que c'est une plateforme qui vous intéresse, que vous allez vous abonner, hein? Et j'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet. Et je ne l'ai pas mentionné, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein, en laissant des pouces en l'air et comme je l'ai dit, en vous abonnant à la chaîne, ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.